Bonjour les poppies, donc on se retrouve pour une vidéo donc un peu spéciale. Donc c'est Poppy qui m'a lancé le défi de faire une carte Halloween. Donc on va commencer. Ça va être un peu dur. Donc voilà. Donc au départ, donc j'ai fait du papier passé au café. Comme ceci. Donc vous prenez des feuilles canson, des feuilles normales que vous faites comment? Boire imbibé de café soluble, parce que ça sert à rien de mettre du café très cher. Donc évidemment ça sent le café. Bon, après voilà ce que ça donne sur le côté comme ça. Voilà, donc ça sera mon fond de carte comme ceci. Donc voilà, donc on se retrouve en bas. Donc attendez, je mets ça tout de suite vers le bas. Là, voilà. Donc, oh, pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc, j'ai commencé quand même pour m'avancer un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris du petit bois pour faire déjà l'arbre. En fait, on va faire une carte. En fait, là, ça va être que c'est coloré. Et le reste sera en ombre. Donc, noir, comme ceci. Donc là, on va commencer. Donc, on va faire comme un arbre, en fait, avec des bâtonnets que j'ai pris, que j'ai peints en noir, comme ceci. Donc, je vais prendre, je sais pas quelle colle. Bon, après, je vais prendre de n'importe laquelle, hein. Soit la colle comme ceci d'action, ou la colle comme ceci. Après, n'importe. C'est vous qui voyez. Donc, attendez une seconde. Je reviens. Attendez. Donc, non, voilà, j'ai été chercher un petit gobelet. Bah, gobelet pour mettre la colle dedans, on va dire. Voilà. Et donc, je vais prendre mon pinceau. Bon, il est un peu grand celui-là, mais c'est pas grave. Voilà, vous mettez de la colle, hein. Vous n'ayez pas peur, après de redevient transparente. Donc attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Après vous faites ce que vous pouvez. Après évidemment ça risque un peu de bouger. Donc là après vous voyez comment voulez-vous faire votre arbre? C'est vous qui voyez comme vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste comme ça, je vais voir au départ ce que ça donne, on va dire. On va déjà faire ce bout par ici. On va faire ce bout là. Faire ce bout là. Donc le bout. Et là, donc. Bon, excusez-moi, je suis pas droit trop avec la colle. Et bon, c'est petit, c'est un peu dur à faire comme on veut en fait. De toute façon, la colle après, donc ça, c'est pas de souci. Elle sèche donc. Il n'y a pas de souci à avoir. Elle a bien séché les mains surtout. Donc là, après, je reprends encore. Excusez-moi pour le bruit, il y a les chats derrière. Comme ceci.
le deuxième comme ceci, de l'autre côté. Après, avec celui-là, excusez-moi, hein, je parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer pour que ça soit propre en fait. Mais bon. Ceci. Et donc après. Je vais remettre une petite branche encore, comme ceci. Comme ceci. Par contre, vous voyez, c'est la colle, c'est pas top, 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 top non plus. Après, je ne vais pas mettre du double face, on va dire. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche un peu et on se retrouve après. Donc là, on va se retrouver. Donc là, pour l'instant, donc voilà ce que ça donne. Donc, c'est un arbre tout simple. Voilà, comme ceci. Je vais y rajouter deux découpes. Donc, un petit corbeau comme ceci. Voilà. Et une chauve-souris. Je vais mettre mon corbeau juste ici, au-dessus de l'arbre en fait. Comme ça au moins. Voilà, comme ceci. Donc, je vais juste mettre ça derrière. Le truc qui manquait en bas.
Je vais y mettre quelques petites choses encore. Je vais le mettre par ici. Voilà. Donc là, pour l'extérieur, ça fera comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc après, on va passer donc à l'intérieur. Et doucement surtout, les chats font des conneries, c'est hallucinant. On va lui mettre le papier. Voilà, je vais prendre mon titre Happy Halloween que je vais mettre juste en haut de la carte. Excusez-moi, c'est les chats que vous entendez. À cette heure-là, ils font que des bêtises. Mais c'est normal, c'est des chats. Sweetie, arrête. Après, donc je vais mettre, excusez-moi, ma maison hantée comme ceci. Je prends mon petit bonhomme dans un petit cercueil comme ceci. Après, c'est un peu bizarre, je sais. Et j'espère que la carte vous plaira à la fin. Après, c'est du tuto tout simple. Après, vous prenez du papier, vous prenez vos formes, en fait, vos découpes, quand vous n'en avez pas, vous les prenez, vous pouvez être sur Internet après.
Après, donc on va passer à la petite sorcière. Que j'ai fait une découpe comme ceci. Donc vous voyez, pour que ça tienne le balai, j'ai laissé du blanc. Après, vous pouvez le transformer en la couleur que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Après, donc, on va faire une petite truc différente. Donc là, on va dire que la sorcière, donc elle a fait un nouveau. Un nouveau truc, un nouveau venin, on va dire. Donc là, on va dire qu'elle a fait deux trucs, donc on va faire trois. Ici, et tout à l'heure, le chapeau, on va refaire droit. Comme ceci. Donc vous voyez, là, ça sera plus droit. Donc là, on va faire tac, on va mettre. Oh, arrêtez les chats, calmez-vous. Là, voilà, et puis on va prendre un chapeau de sorcière qu'on va mettre. Comme ceci, et on va le mettre sur la tête. Purée, faut y arriver. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc là, après on est reparti. Donc j'ai essoré un peu la colle, qu'elle est vraiment très collante. Et comme je veux que ça soit du travail assez bien fait. Là, hop. Voilà, j'y suis un peu, excusez-moi. Donc là, après, on va prendre celle-ci. Donc là, on va prendre le petit fantôme qui est par ici, tout mini, tout mini. Donc là, voilà. Voilà, comme ceci. Le fantôme peut être dans n'importe quel moment, comme ceci. On va reprendre une autre petite tête, toute petite, comme ceci.
la chauve-souris, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on va prendre le petit mot RIP, comme ceci, vous voyez. On se retrouve juste après. Voilà, on finit. On va remettre quelques-unes citrouilles, évidemment, car c'est Halloween. On va faire comme ceci. Et comme ceci. Comme ceci. Voilà, pour l'instant, donc ça donne comme ceci, si vous voyez. Voilà. Et donc ici, je voudrais rajouter, si elle rentre, comme ceci, ouais. Comme ceci, la petite maison. Essayez. Comme ceci. Ici, la main, comme ceci. Voilà. Donc, je vous montre une dernière fois. Donc, voilà la carte. Donc, elle était toute simple. J'ai pas fait beaucoup de choses, en fait. Voilà. Donc, c'est beaucoup de l'imprimante, du papier, du coller et récupérer, en fait, un peu partout. Donc, voilà. Après, donc voilà la carte, ça fait comme ceci. Et donc l'intérieur, donc évidemment d'un côté, là ici c'est pour du et pour écrire. Et là donc c'est la carte à l'intérieur pour dire Happy Halloween. Voilà. J'espère que la carte vous a plu. Donc on va retourner dans le bon sens, comme ceci. Donc merci d'avoir regardé. Donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à la prochaine. Bye les poppies.